et on va se tromper dans le diagnostic. Và cái mục tiêu của thầy khi mà mình làm như vậy á, thì khi mình kéo lên kéo xuống và đây có cái khó khăn là mình tìm đi cái được em bé nó đâu ở đâu không ở đâu phía trước phía sau, và sau đó khi mình chọn được cái hướng của nó rồi thì mình sẽ giữ nguyên cái đầu dò ở cái thế như vậy. Tức là ý thầy á, mình không có xoay đầu dò bây giờ không xoay được. Và cảm thì nhớ là thầy lấy cái hình ảnh của cái mẹ em nhỏ mà chơi game hoặc là các cái điều khiển ở xa mà ngoài như thế này thì cái đó được cải thiện tốt, tức là mình đã chọn được vị trí để đầu dò như vậy và lúc đó chỉ có đẩy lên đẩy xuống. Alors, en France, on a des prérequis qui ont été modifiés là en 2016, où on a des clichés qu'on doit fournir au premier trimestre. C'est la longueur crânio-caudale, le bip et la nuque. Au deuxième trimestre, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 clichés à fournir. Và đây là thai quý 1 của các cân 3 cái mặt cắt cơ bản thôi, nhưng mà đối với thai quý 2 chúng ta có là 13 cái mặt cắt với 13 cái hình ảnh để chúng ta phải có trong cái gọi là cái phiếu kết quả. Vì ở Pháp đó thì người ta không in từng giấy xuống như mình, người ta in thành cái tờ phim to giống như là City Bank ta, thì người ta lưu lại cả nên nó chọn 13 hình biểu diễn 13 con số này là in lên. Moi j'ai affiché. Affiché, oui, oui. Moi je peux faire en une demi-heure. Hein. On a trois, quatre façons. Oui, j'ai en une demi-heure, je peux faire. Alors, je vais aller assez vite. Donc, vous voyez, et au troisième trimestre, c'est la même chose. Et donc, la checklist, c'est ça. Và tiếp theo là thế nói về cái checklist, những cái mà chúng ta phải đánh giá là ouais, alors avec, alors moi j'ai un ordre, je commence toujours par la tête, le thorax, l'abdomen, les membres, faut pas oublier les annexes, en particulier le placenta bien sûr, mais aussi le pelvis pour regarder s'il n'y a pas quelque chose au niveau des ovaires. Surtout pour les trimestres. Và các chị thấy là thầy sẽ khảo sát cái hiện thực kinh trung ương ở não bộ nó lớp sau đến lồng ngực sau đến vùng để các cái chi để phân phù và để tiểu phun, và đặc biệt trong cái phân phù này thì thầy đánh giá luôn luôn phải là cái đứng nhau hiện đang đứng nhau. Moi j'ai affiché dans toutes les salles d'écho à la fois les clichés que je vous ai montré et la checklist, comme ça les gens qui débutent, eh ben ils ont ça dit tiens, ah j'ai oublié de faire ça. Tức là trong cái khóa của thầy á, thì thầy nói là thầy đề 13 và luôn luôn có cái hình ảnh của cái hai sao lọc 2.1, 2 những cái mặt cắt phải làm với những cái checklist này để tất cả mọi người khỏi quên, và đặc biệt là cả các bạn trẻ khi mới bắt đầu làm thì có thể là biết đó mình thích quên cái gì. Qu'est-ce que je vais rechercher sur le pôle céphalique? Je vais faire des biométries, je vais faire de la morphologie et puis je vais regarder certains éléments, le cervelet, le corps calleux, les ventricules, et puis comme la face n'est pas bien loin, je vais m'occuper de la face. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, mon déplacement de la sonde, c'est de tout petit mouvement pour essayer d'obtenir le plan du bip. Cái mặt cắt của mình là do là di chuyển rất ít, le cervelet en arrière, les deux orbites. Vous voyez, le déplacement, il est vraiment minime. Je peux partir en sagittal pour revenir en axial. Vous voyez le mouvement de la sonde. Di chuyển bằng cách di chuyển bằng gần như là không nhấc lên, vì thầy có nói là nếu không nhấc lên thì mình sẽ mất cái cả cái mốc dự phòng mà mình đã đánh dấu và đã phát hiện ra được rồi. Et je vais essayer d'obtenir sur le plan axial les éléments qui vont me permettre de mesurer le bip. Và đến mặt phẳng axial thì như vậy là thầy sẽ dừng lại ở cái mặt cắt và mình sẽ đo cái điều kiện dự định. Vous voyez le déplacement. Là j'ai exagéré le mouvement
pour indiquer ce que je fais. Mais voyez, le déplacement en axial me permet d'obtenir une découpe. Voilà. On a donc des critères pour le bip avec. C'est les mêmes partout, hein. Que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis et chez vous, c'est toujours la même chose. Avec le carum, troisième ventricule, les thalamies, les plexus choroïdes et le carrefour ventriculaire. Il faut faire attention de ne pas être trop bas. Vous voyez ici, on est au niveau des piliers du fornix, c'est un peu bas. Il faut vraiment avoir le carré du septum pellucidum, les deux thalamies. Et le carrefour de la lame quadrigémelle. Et donc, on peut faire une biométrie en faisant, posant ses calipers au bon endroit au niveau des tables osseuses. Et on a des courbes. Qui ont été. Alors, table à table. Pour le BIP. Pour le PC, il faut être en périphérie. D'accord. Je vais dire. Voilà, ça dépend des courbes qu'on utilise. Alors nous, en France, on utilise des courbes qui ont été réactualisées du Collège français d'échographie. Mais je pense que ici, au Vietnam, vous utilisez les courbes d'Osaka. C'est des courbes japonaises. Vous voyez le périmètre, hein? Là, il faut faire attention parce que, en fonction des courbes qu'on utilise, on peut avoir des bébés qui sont trop gros, des bébés qui sont trop petits. Et dans un même service, ou sa propre utilisation, il faut toujours utiliser les mêmes courbes. Và như vậy thầy nói rằng là rất là lưu ý chỗ này, bởi vì nếu như mà mình đo khá thấp thì cái đường biểu hiện đó nó sẽ đưa ra một cái kết quả rất là khác. Ví dụ như một em bé rất là to hơn trong đường một bé nhỏ hơn đấy, thì thầy nói là nếu như trong một khoa thì mình phải luôn luôn đo theo từng cái mặt cắt như vậy. Nếu mà người này đo thì người khác cũng phải đo như thế đi. Quand on a fait sa mesure, on a fait ses mesures, le BIP et le PC, on va faire l'exploration du crâne. On va regarder les contours et puis l'intérieur du crâne avec le carum, la cambre postérieure, le troisième ventricule, les thalamies, la vallée ciliaire et les ventricules qui sont là. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, je me déplace et je fais mon exploration. Et je m'arrête. Si je peux m'arrêter, ça va peut-être le faire. Là, déjà passé. Donc ça, c'est le plan du BIP. Et après, on peut faire incliner plus ou moins en prenant un point fixe que le septum pellucidum vers l'arrière, vers le bas et vers le haut pour explorer la fosse postérieure. Theo hướng là cái thực tiễn này nó lên cao hơn xuống này, thấp hơn xuống xí. Mục đích là mình đánh giá luôn cái kiểu nào phía sau.
Et ce plan, avec un plan qui peut être un tout petit peu plus bas, qui explore non seulement la fosse postérieure, mais aussi les deux orbites. Và đây là khoảng cách mà mình sẽ đánh giá cái điều nào về sau thôi, chỉ trước mình có thể đánh giá cũng không mà. On vient d'explorer le cervelet, il y a des biométries qu'on peut avoir du cervelet en prenant bord à bord, en transversal, il y a des courbes. Đây là đường tiểu não của tiểu não, tức là đo cả hai bản câu nào tiểu não và chúng ta cũng có cái biểu hiện. De façon mnémotechnique, il faut savoir que la taille du cervelet correspond jusqu'à 22-23 semaines à peu près au nombre de semaines. Et là, on peut mesurer la mesure transversale du cervelet, c'est-à-dire un des hémisphères, qui est à peu près la moitié. Còn sau đó thì không, và cái đường kính này nó tới khoảng 20 đến 22. Còn sau đó thì không, và cái đường kính này nó tới khoảng 50 đến 22. Là moitié, à peu près. Si tu as un cervelet qui fait 20, en général, l'hémisphère fait 10 à peu près. Mais en pratique, pratiquement jamais, si tu veux, l'autre, parce que sauf si tu as un doute. Si tu as un doute, voilà. Si visuellement il y a un doute, là, on va mesurer. Thì bình thường thì nói bình thường, nếu con thì đó, cái này thôi, con cái đường kính này thì như là không cho đó cả, nhưng mà khi cả chị thấy có nghi ngờ bệnh lý thì nên phải đó. Quand on est dans ce plan-là, on profite pour mesurer la fosse postérieure. Quand on passe, on peut explorer. Donc sur le plan sagittal, on peut basculer sur le plan sagittal, vous voyez, et on explore le corps calleux en essayant de basculer d'avant en arrière pour essayer d'afficher le corps calleux, comme là. Je déplace ma sonde et à un moment donné, hop, voilà, je suis repéré à peu près en médian et je vais chercher sur le côté pour afficher le corps calleux. On peut le faire lorsqu'on a affiché le corps calleux avec le cerveau, qu'on est vraiment bien dans l'axe sagittal, et bien on peut tourner pour passer sur le plan frontal. Pour afficher le corps calleux, les cordes. Voilà. Et c'est sur ce plan-là, au troisième trimestre, sur le plan frontal, qu'on va pouvoir apprécier la gyration. On peut balayer de part et d'autre sur le plan sagittal pour explorer les cavités ventriculaires. Và khi mà đang ở mặt cắt đường dọc chính giữa, thầy sẽ lia quả trung do qua phía hai bên để đánh giá thêm cái vị nào ở bên. On peut s'aider du codage couleur pour visualiser les artères péricaleuses, en particulier lorsqu'il y a un doute dans la génésie du corps calleux. Il y a des courbes de biométrie des corps calleux. Il suffit, moi je ne connais pas, hein. Quand je mesure, je sais à peu près. Mais quand je vois qu'il y a un doute, je vais regarder ma table et puis je regarde si ça correspond. Và cái phản mà đó, cái đường kính đó, kích thước của thể trai nó cũng có một cái đường biểu hiện, đường cong biểu hiện. Nhưng mà thầy nói là thầy có đường nhận ạ. Sao mình chân là một thầy nhận? Nếu như mà cả chị thầy nghi ngờ thì thầy đó sẽ thầy liệt qua xem thử là bao nhiêu. Donc voyez l'exploration au niveau du pôle céphalique, des éléments qu'on peut rechercher rapidement. Và như vậy thì ở phần thể đến đâu là thầy đã xem qua cả cái On reviendra sur la face.
Au niveau du thorax, l'élément important qu'on va surtout regarder, c'est le cœur. Alors, je ne sais pas s'il y en avait qui étaient là hier, je ne vais pas recommencer, mais je vais aller rapidement. Donc on a trois... Ouais. Oui, vous étiez là, on valide. Donc, vous voyez, je remonte simplement ça. On part toujours du périmètre abdominal, on remonte dans le thorax. Et on affiche, par le simple déplacement de la sonde, on peut, dans le plan axial, on peut vérifier l'intégralité de la situation du cœur et des différents organes du cœur. Vous voyez, ma sonde, elle bouge très peu. Hein. Les mouvements sont de quelques centimètres. Oui, il y a un dossier à partir. Peu importe, je suis revenu sans la face. Je ne sais pas pourquoi ça va, c'est bon. Ah, pour la face. On peut partir de deux plans, soit du plan sagittal, soit du plan frontal. Et on obtient ces différents plans avec une simple rotation de la sonde. Vous voyez, on part du plan sagittal et à un moment donné, je tourne la sonde pour afficher le plan de la face. Alors, quand on a, là, on fait soi-même, quand on a l'habitude et qu'on utilise les techniques de 3D, là, j'ai pris un plan de la face en une seule affinition et il m'a donné l'autre plan à 90 degrés automatiquement. Mais pour pouvoir utiliser la technique 3D, il faut vraiment bien connaître ce qu'il faut faire en 2D. Au niveau de l'abdomen, on est là. Qu'est-ce qu'on a besoin? Le périmètre abdominal, aller vérifier les reins et l'interface gauche thoraco-abdominal. Comment on obtient la coupe axiale abdominale par un déplacement le long du bébé pour obtenir le fameux plan du périmètre abdominal? Alors là on part de la vessie du bas, mais on peut partir du haut puisqu'on est au niveau du cœur. On ne va pas détailler les quatre coupes transversales abdominales indispensables pour bien explorer l'abdomen. Il y en a une qu'il faut connaître par cœur, c'est celle-là. Avec les repères, le dos, la bifurcation du grand corps et surrénal. De façon accessoire dans l'estomac et les gros vaisseaux. Voilà. Et c'est sur ce plan-là, alors je ne suis pas sur celle-là, c'est sur ce plan-là que l'on va mesurer le périmètre abdominal. Avec donc des courbes, là aussi, hein, qui nous sont comme référence, celle du CFR.
Voilà. Alors, il y a les courbes qui sont au-dessus et au-dessous. Il y en a une qui est importante à bien connaître, c'est la courbe transversale abdominale inférieure, où on va repérer la vessie. Le codage couleur peut nous aider. Ça permet de bien voir qu'il y a deux artères. Les reins. Pour explorer les reins, il faut afficher un plan de coupe bien particulier, qui est le plan de coupe axial postérieur. Comment on fait? Vous voyez, vous prenez la main. Hop, vous tournez autour du bébé pour pouvoir afficher. Mais deux reins. Je pars du BA et je me déplace latéralement pour pouvoir afficher. Dans l'autre sens. Vous voyez, ouais. Allez, dans les deux sens, selon la position du bébé. Pour obtenir ce plan de coupe qui correspond à ce qu'on appelle un plan de coupe avec des lunettes. On a l'impression d'avoir le bout du nez ici et puis deux yeux avec des lunettes. Avec des repères, le dos, et là, on en profite pour regarder la différenciation cortico-médulaire. Il y a un point de repère facile, parce qu'il va nous servir au niveau d'exploration du dos, c'est qu'au niveau des reins, au niveau du dos, on a le cône terminal à 22 semaines. On apprécie la différenciation cortico-médulaire avec les cavités pieliques et puis les petites voies de l'hypertrophie. Voilà. Et donc, on peut mesurer ses reins. Michel Collet a commis quelques courbes il y a quelques années. C'est toujours les mêmes, ça n'a pas changé. Ça fait 25 ans, 30 ans, 30 ans. Voilà. Et c'est toujours les mêmes. Alors, il y a, alors oui, la biométrie, la longueur, pour essayer d'apprécier la longueur du rein, la longueur du rein correspond au nombre de semaines, à peu près. Mais c'est moi une question, après la prénatal. Non, là c'est prénatal, c'est prénatal. On va mesurer les cavités pieliques, comme le disait hier Michel, dans ce plan-là. Il y a une classification qui date de 2014, et comme je vous disais hier, pour le retenir facilement, 6 mois 6 cm, 6 mois 6 mm, 7 mois 7 mm, 8 mois 8 mm, 9 mois 9 mm, qui est la limite supérieure d'acceptabilité. Voilà ce que ça donne en exploration axiale.
lên cái khảo sát xem thế nhưng mà phải ASEAN đẩy nó cho lên xuống. Et en exploration sagittale, voilà. Et le point terminal qu'on voit à un moment donné, vous voyez, les deux reins, avec le point terminal, hop, vous voyez ici. À peu près au niveau des reins. On avance les membres. On va essayer de visualiser les trois, ce qu'on appelle les trois segments de membres, c'est-à-dire le segment proximal, le segment moyen et le segment distal. Comment on fait lorsqu'on a repéré la hanche ici? On fait une rotation de 45 à 90 degrés pour aller lire le fémur. Et regardez la sonde, je me regarde, et à un moment donné, je tourne, vous allez voir, il y a un petit décalage, pour faire apparaître le fémur. La ligature est là. Et ne pas tourner ici au niveau de l'ischion. Non, il faut aller un petit peu plus bas. Vous essayez de tourner un tout petit peu plus loin. Vous avez pu regarder, j'ai ma main qui se recale. Ça, c'est la ligature. Oui, il va monter. J'ai ma main qui s'est recalée. Voilà. Et donc, bon, là aussi, il y a des courbes. Au premier trimestre, l'exploration des trois segments est très facile parce que suffit de poser la sonde et on voit l'aspect caractéristique de ce petit fœtus là avec les membres demi-fléchis et le pied à partir de 13 semaines qui est à 90 degrés. Avant, non. Avant, à 11 semaines, les pieds sont comme ça. Ils ne sont pas comme ça. À 12 semaines, à partir de 12 semaines, l'angulation du pied par rapport à la jambe est de 90 degrés. Avant non. Cảm thì phải lưu ý một điều đó là trong cái thai quý 1 á thì bắt đầu từ thai quý 1 khoảng tuần thứ 13 rồi đi thì cảm thì sẽ thấy là cả cái phân chi nó bắt đầu gấp lại khoảng 90 độ, giống như ban chân đây 90 độ. Còn từ lúc đó cảm thì sẽ thấy ban chân. Vous voyez là, à 11 semaines, vous voyez les pieds comment ils sont posés. Donc il faut faire attention de ne pas dire qu'il y a une anomalie des pieds des 11 semaines. On dit rien. On les a vus, point. Oui. Très souvent, c'est l'attitude. Voilà, la position normale, voilà. Vous voyez, c'est comme ça. On mesure, là aussi, il y a des tables, je passe. Au niveau des membres supérieurs, au premier trimestre, il y a une position particulière du fœtus. Moi, j'appelle ça, c'est une position bretonne. C'est une position bretonne, parce qu'il y a des gros crabes en Bretagne. C'est du crabe. Ouais, okay. Donc, les bras et les mains ont cette position très particulière. D'autres ont appelé cette position dite la position Playmobil. Vous savez les petits jouets des enfants, les petites mains, les Playmobil là. Elles sont comme ça. Et donc ça ressemble à des petites mains de Playmobil. Oui. Donc là aussi les trois segments. Le 3D du ED bien sûr. On peut mesurer les différents segments. Mais on va au niveau du membre supérieur, on va regarder surtout l'alignement et en particulier la présence des deux os de l'avant-bras. Parce que s'il en manque un, souvent il y a une anomalie de la position des mains. Au niveau des membres, alors là je l'ai fait au premier trimestre, mais on peut le faire au deuxième trimestre ou au troisième, surtout au deuxième trimestre. Lorsqu'il y a une anomalie au niveau de la longueur des membres, on utilise des techniques de 3D avec des temps osseux pour voir
un tout petit peu la structure, pas la structure, mais l'aspect de l'os, et en particulier les extrémités. Ça permet d'apprécier les extrémités pour voir s'il n'y a pas des extrémités qui sont un peu plus larges ou un peu plus effilées. On termine l'examen par l'utérus et les annexes. Les annexes, là dans cet exemple-là, vous avez vu, à un moment donné, il y a un ovaire qui est anormal. Vous voyez, ici, là, avec un endométriome. Voilà. Le rachis, on l'a vu tout à l'heure un tout petit peu avec l'exploration des reins. Il s'explore de façon axiale, sagittale, frontale, au niveau des quatre niveaux, cervical, dorsal, lombaire et sacré. Sur le plan axial, quel que soit le niveau, que ce soit au niveau cervical ou au niveau sacré, c'est ce que j'appelle moi le repérage des trois points. Il y a toujours ces trois points. Ça correspond au corps vertébral et au lame vertébral. Avec des formes différentes selon le niveau, mais il y a toujours la même chose. Et on va regarder au niveau de ces trois points le caractère fermé des lames. Ils n'ont pas ouvert, surtout au niveau sacré, parce que là, ça pourrait signer un spina. On va explorer sur le plan sagittal ou plan axial et on va regarder, comme je vous disais tout à l'heure, la situation du cône terminal qui varie en fonction du terme. Pour se stabiliser hein, au niveau de L2, L3 vers 23-24 semaines. Alors pourquoi je repasse d'emblée au